Bienvenue à vous tous, bienvenue chers frères, chères sœurs, bienvenue d'où vous vous connectez, bienvenue sur Je prie pour toi et surtout avec toi. Et je bénis Dieu pour votre connexion, du fait que vous soyez connectés. C'est un moment particulier où vraiment nous avons eu à cœur de pouvoir vous soutenir dans la prière par rapport à tous vos défis, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient familiales, peu importe, le plus important, c'est que Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Voilà pourquoi, tant que nous ne demandons pas, tant que nous n'implorons pas sa grâce, Dieu ne peut pas agir comme il le voudrait. Donc, bienvenue dans ce temps d'adoration, d'intercession prophétique. Nous le croyons. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et je ne suis pas seul, je suis avec Dylan qui est à ma droite, avec Samantha qui est à ma gauche. Et bien sûr, je suis avec Bruno, Nathanaël qui est là également au piano. Et nous voulons vraiment que l'atmosphère de la présence de Dieu vienne jusqu'à vous. Et je sais que l'atmosphère de la présence de Dieu viendra jusqu'à vous. Donc nous prendrons le temps de prier sur tous les sujets autant que possible, mais le plus important, même si vous avez l'impression que nous n'avons pas touché votre sujet, sachez que Dieu a votre sujet qui est là en face de vous et en face de nous, et Dieu touchera votre sujet. Ce n'est pas l'homme qui exauce, c'est Dieu qui exauce nos prières. Et nous allons juste nous disposer pour inviter la magnifique présence de Dieu en cet endroit. Nous voulons être présents dans la présence de Dieu. Nous voulons être devant le trône de grâce et nous voulons honorer le Dieu merveilleux qui nous permet d'être ensemble. La Bible dit que voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et pour des sœurs de demeurer ensemble. Et la Bible dit qu'il déverse comme une huile d'onction, comme la présence du Saint-Esprit, là où deux ou trois sont, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, la bénédiction de Dieu est au milieu de nous, la vie de Dieu est au milieu de nous, et nous avons besoin de la vie de Dieu, nous avons besoin de Dieu, nous voulons Dieu, nous désirons Dieu. C'est vrai que Dieu est présent, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que Dieu soit en action. Nous ne voulons pas que Dieu soit comme un monument, non. Nous voulons que Dieu soit en mouvement. Et nous voulons implorer sa grâce. Nous voulons implorer sa grâce. Nous voulons inviter sa présence. Alors où que tu es, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ta chambre, que tu sois dans ta cuisine, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta voiture en train de rentrer chez toi ou d'aller au travail, le plus important, c'est que tu peux te connecter. Le plus important, c'est que tu peux disposer ton cœur. La Bible dit que si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça signifie que Dieu va exaucer nos prières. Dieu va exaucer nos prières. La Bible dit dans le psaume 65 au verset 2, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Alors venons auprès du trône de grâce. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi. Humblement, Seigneur, humblement, Seigneur, nous voulons prendre ce temps pour venir auprès du trône de grâce, pour venir auprès de toi, parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons ton cœur, nous voulons toucher ton cœur, nous voulons être comme tu veux que nous soyons. Oh, nous ne pouvons absolument rien faire sans toi. Tu dis dans ta parole que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, non, mais c'est par ton esprit, magnifique esprit de Dieu. Jésus même a dit que sans lui, on ne peut rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous t'honorons au milieu de nous. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'invitons au milieu de nous. Sharush te karama andosiare ke siarama andosia setama.
Oh, Yadekashia de Mahandosia. Oui, nous t'invitons. Oui, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, sois présent. Esprit de Dieu, sois ici. Esprit de Dieu, fais ton entrée. Esprit de Dieu, intervient. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aïe. Aïe. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons aïe korushta maita husa yarabahando ziaka. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin de toi. Oh, conduis-nous. Nous avons besoin de toi en ce lieu. C'est toi que nous désirons. Saint-Esprit, où que nous soyons maintenant, où que soit mon frère, où que soit ma soeur, où que soient tous ceux qui sont connectés, nous avons tous besoin de toi. Connecte-nous à ta présence, Esprit de Dieu. Connecte-nous à ton inspiration. Connecte-nous à ta puissance. Connecte-nous à ton onction. Connecte-nous à ton atmosphère. Connecte-nous à ta présence. Connecte-nous à ton inspiration. Connecte-nous à ta direction. Viens et conduis toutes choses. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi.
besoin de toi. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est le cri de Marie-France. C'est le cri d'Aurel. C'est le cri de Divine. C'est le cri de Laura Christelle. C'est le cri de Adéna. C'est le cri d'Alix. C'est le cri de Bruel. C'est le cri de Réna. C'est le cri de Tarsi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est le cri de Sylvestre. Nous avons besoin de toi. C'est le cri de Divine. Nous avons besoin de toi. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 1, la Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, à faire des supplications, à faire des requêtes, avec des actions de grâce pour tous les hommes. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Seigneur Père, nous venons auprès de toi, nous venons auprès de toi, devant le trône de grâce, nous avons besoin de toi. Seigneur, nos frères, nos sœurs ont besoin de toi. À toi, notre Père, toi qui ne nous as pas oubliés, toi qui ne nous délaisse pas, nous avons besoin de toi. Viens à notre secours, viens au secours de nos frères, viens au secours de nos sœurs, nous avons besoin de toi. Nous te supplions, conformément à ta parole, Seigneur, tu nous dis: faites des prières, faites des supplications, faites des requêtes, faites des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les hommes. Seigneur, nous voici devant toi. 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 Et nous apportons nos sujets de prière. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh, toi qui écoutes la prière, tous viendront à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes connectés du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Nous sommes connectés de toutes parts et nous apportons nos requêtes, nous apportons nos prières. Nous te supplions, Seigneur. Maro Jaïta Inosia, Marika Siaro Kosaye, Marakite Arusha Ma'ana, Itayarosa, 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 Itayarosa. Ah, Seigneur, nous ne venons pas pour nous, non. Nous ne venons pas pour nous, non. Nous ne venons pas, Seigneur, avec les requêtes de Dylan, avec les requêtes et les prières et les demandes, Seigneur de Samantha. Non, Seigneur, nous ne venons pas avec les requêtes de Nathanaël. Non, Seigneur, je ne viens pas avec les requêtes, non, Seigneur, mais nous venons pour porter dans la prière nos frères et nos sœurs qui passent par des moments difficiles. Seigneur, toi qui exauces le Dieu de compassion, toi qui exauces, nous t'honorons, toi qui exauces, nous t'appelons, toi qui exauces, nous t'invitons. La Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous invoquons. Chakarakasite.
ténèbres. C'est toi que nous invoquons, Rakasate Arakesi. C'est toi que nous invoquons, Rakasote Arakasa. Marakete Arasi Arakatoya. Marakati Arekete Aroma. Mande Karokasa Yaramanaja. E Katayeros Nama Anasia. Ayakarekea. Arabakasutema. Oh Seigneur, il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Seigneur, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, même si nous venons auprès de toi avec les requêtes, avec les prières, avec les demandes de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, c'est toi qui sais ce dont nous avons besoin et non ce dont nous avons envie. Alors Père, tu as dit conformément à ta parole dans le livre de Corinthiens, je prierai par l'esprit et je prierai aussi avec intelligence. Alors contrôle les pensées de nos cœurs. Seigneur, ce qui compte, c'est que tu connais exactement les problèmes, les soucis, les défis de chaque personne qui a fait parvenir son sujet de prière. Alors permets-nous d'élever la voix en esprit. Oh barakatea rokostaba a mekataye kosia rakatea ra mareketoya rakasto katea ra mareketaye kasute marakataye osa rakotaye rostoma andesia karebe marekosaba andosia kareketea rabokotaye kostama andosia kareketaye bohondasia ra marakataye rostoma arabea arokasteba andosia. Oh mon frère, oh ma sœur, où que tu te trouves, élève la voix, élevons la voix ensemble, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. La Bible dit que là où un chasse mille, deux chassent 10 000, élevons la voix ensemble, élevons la voix ensemble. Ayaro ketaï de kasutema andosia kara, me karika toyarama andosia kasutema ite, ayaro ketaïa roko taïa. Oja, la parole de Dieu déclare dans le livre de Colossiens 1 au verset 9, la Bible dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mon frère, ma sœur,
avant que nous présentions, avant que nous puissions présenter des sujets de prière au Dieu de grâce, Dieu nous instruit par son esprit à prier pour que nous soyons d'abord remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi? Parce que quand on connaît la volonté de Dieu et on prie pour la volonté de Dieu, il y a des choses qui te concernent, il y a des sujets qui te concernent dont tu n'auras même pas besoin de prier. Si tu fais passer le royaume de Dieu avant toute chose, le reste arrivera. Voilà pourquoi nous allons commencer par prier pour que nous soyons tous, et toi mon frère, et toi ma sœur, et nous tous, que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Marouchema'a, élève la voix et demande que nous soyons tous remplis de la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu est bonne, la volonté de Dieu est parfaite, la volonté de Dieu est puissante, la volonté de Dieu est vraie. Se focaliser sur la volonté de Dieu emmène à manifestation tout ce dont tu as besoin, et tu n'auras même pas besoin de prier pour ça. Alors élevons la voix et prions que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Au nom puissant de Jésus, Ayakaro Sitema'a, Mareketaï de Stoma'ara, Reketaï de Suba Anosiaka Sutema'ita, Rako Sotema'inosa, Ninosa Kabukatayere, Marekatuya Rostoma Andasi, Ruka Satema'a. Oh Seigneur, Marika Soutema Anosia, remplis mon frère, remplis ma soeur et remplis-nous tous, tous ceux qui sont connectés, remplis-les de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Remplis-nous Seigneur de la connaissance de ta volonté, ta volonté avant tout, ta volonté en priorité. Roucha maraka setema andosiaro. Firoka shayedama andosiaka sete. Raka sitema raka sitema andosiara. Roka sitema rika studiabara. Ayeka rustema andosiaka sutema a. Roka rika studiama ania. Que ta volonté s'impose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, non pas notre volonté, non pas nos désirs, mais ta volonté d'abord. Jésus a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Seigneur, aligne-nous sur les traces de Jésus, notre maître. Aligne mon frère, aligne ma sœur sur les traces de Jésus en demandant ta volonté, Père, avant toute chose. Au nom puissant de Jésus, en toute sagesse et intelligence spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset signifie que tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous manque, nous pouvons le demander à Dieu. Nous pouvons demander sa volonté. Nous pouvons demander sa sagesse. Nous pouvons demander son intelligence. Nous pouvons demander sa pensée. Oh, Karika Sutama Andosia Karo Kasiara. Seigneur, accorde-nous la grâce de demander ce que tu veux que nous puissions te demander. Donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la connaissance. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, faisons les trois piliers de base de notre existence et de notre vie avec toi. Au nom puissant de Jésus. Araka Sutema Ita, Raka Sutema, Raka Rokesia Ramaa. Il est écrit que nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ô Seigneur, et si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, alors tout ce que nous demandons, il nous l'accorde. Seigneur, nous voulons d'abord ce que tu souhaites pour chacun d'entre nous. Assieds notre vie sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta connaissance, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, assieds-toi en nous. Esprit de Dieu, agis au travers de nous. Au nom puissant de Jésus.
Maya. Ta volonté en priorité. Ta sagesse en priorité. Ta connaissance en priorité. Ton intelligence en priorité. Ton esprit en priorité. Ton esprit en priorité. Ma priorité, c'est toi, Seigneur. Notre 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 volonté, 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 c'est toi, Seigneur. Notre prière, c'est toi, Seigneur. Notre prière, c'est toi, Seigneur. Notre intercession, c'est toi, Seigneur. Notre intercession, c'est toi, Seigneur. Notre supplication, c'est toi, Seigneur. Notre supplication, c'est toi, Seigneur. Nos sujets de prière, c'est toi, Seigneur. Nos sujets de prière, c'est toi, Seigneur. Sujet de prière, c'est toi, Seigneur. Nos requêtes, c'est toi, Seigneur. Nos requêtes, c'est toi, Seigneur. No.
requêtes. C'est toi, Seigneur. Nos requêtes. C'est toi, Seigneur. Nos demandes. La raison de notre quête, c'est toi, Seigneur. La porte que nous frappons, c'est toi, Seigneur. Laisse-toi trouver, c'est toi, Seigneur. Laisse-toi trouver. C'est toi, Seigneur. Laisse-toi trouver. C'est toi, Seigneur. Caros temaita sea. Seigneur, nous voulons prier pour un nouveau départ. Pour toutes les personnes qui demandent, qui requièrent, qui aspirent à un nouveau départ avec toi. Seigneur, nous te supplions. Pour toutes les personnes qui ont soif d'un nouveau départ, pour toutes les personnes qui ont soif d'un nouveau départ, tu as dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dans le nom puissant de Jésus. Père, Père, un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ pour Wilfried, un nouveau départ pour Aurel, dans le nom puissant de Jésus, un nouveau départ pour tous ceux qui aspirent à commencer à nouveau avec toi, à commencer à nouveau avec toi. Toi, oh Père, tu as dit que celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, avec toi, un nouveau départ est possible. Avec toi, un nouveau départ est possible. Père, un nouveau départ. Père, un nouveau départ. Seigneur, je prie que tu puisses étendre ta main et tu puisses permettre à mon frère, à ma soeur, de demeurer dans ta présence, expérimenter ta présence dans le nom puissant de Jésus. Père, oh Cari, attire mon frère, attire ma soeur qui le désire dans ta magnifique présence au nom puissant de Jésus. Père, fais-le, Père, fais-le, Père, fais-le, Père, augmente la soif, augmente la soif, augmente la soif de te connaître dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui désire plus avec toi, qui veut plus avec toi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Père, Seigneur Père, Seigneur Père, Seigneur Père, nous te supplions, Seigneur Père, nous te supplions, augmente la soif, suscite la soif dans le nom puissant de Jésus. Père, fais-le, Père, fais-le. De nous-mêmes, on ne peut pas. Mon frère ne peut pas. Ma soeur ne peut pas. Mara! Okashaye, ekarama, roba kashia, rekataya, aïe, 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 okarika, soutemaïta, rakamanoja, eraka, donne la soif, 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 donne la capacité à mourir à soif, Seigneur, donne la force à mon frère, à ma soeur, de crucifier la chair ne doit pas parler, la chair ne doit plus parler, c'est l'esprit qui doit parler, c'est l'esprit qui doit conduire. La Bible dit, laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Seigneur Père, accorde à mon frère, accorde à ma soeur la force et la puissance de crucifier la chair au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 akareke suyama, aïe, araka soberama anosia. Seigneur, tu as dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Accorde à mon frère et à ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, de marcher dans une vie qui glorifie Jésus. Seigneur, je prie pour que ma soeur et mon frère marchent dans les fruits de l'esprit. La Bible dit dans Galates 5, verset 22, Ayara, quoi les fruits de l'esprit? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Accorde à mon frère de marcher dans les 9 fruits de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur d'être une personne spirituelle et non charnelle, au nom puissant de Jésus. Ayaro, Ayaro, Ayaro,
le pardon d'une sœur. Seigneur, je pense à Bitou, ses frères, ses sœurs, je pense à Marine, ses frères, ses sœurs, et je pense à toutes les personnes qui se retrouvent dont le fardeau est trop lourd. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie pour le repos dans la vie de Marine, je prie pour le repos dans la vie à l'encontre de Bitou et dans la vie de toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Je brise au Karama Andosia et Karama Andosia tous ces fardeaux, tous ces jougs, Seigneur, qui pesaient sur mes frères, qui pesaient sur mes sœurs. Au nom puissant de Jésus, je prie pour une relation avec l'Esprit de vie, avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que toutes les personnes qui aspirent à bâtir une relation avec Dieu, Seigneur, accorde-le-leur dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, je prie pour la communion, je prie pour la relation, je prie pour la connexion, je prie pour l'intimité, je prie pour la communication. Au nom puissant de Jésus, je prie pour accéder à une nouvelle dimension. Oh Seigneur, j'étends ma main sur toutes les personnes qui veulent monter à un autre niveau, qui veulent une autre dimension, qui veulent une autre connexion, dans le nom puissant de Jésus. Ayakara Kassiarema, Malakassiare, où que tu sois mon frère, où que tu sois ma soeur, Dieu est dans ta main, Dieu est dans sa main sur toi, Dieu est dans sa main sur toi, Dieu te prend par la main, Dieu te prend par la main, Dieu te prend par la main. La connexion est rétablie maintenant au nom puissant de Jésus. Où que tu te trouves, la présence de Dieu te touche. Où que tu te trouves, l'atmosphère de sa gloire te touche au nom puissant de Jésus. Arakasotema, Dieu te donne la capacité de payer le prix. Tu n'es pas fatigué. Dieu te donne la capacité de payer le prix. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi et te rend capable d'être celui, ce vase que Dieu agrée, ce vase que Dieu agrée, ce vase que Dieu recherche, dans le nom puissant de Jésus. Ayakara, Mayaraka, Mayaraka, Ekaro Sotema. Ayarekesia, ah Seigneur, Ayakara. Oh Seigneur, que ton atmosphère donne la capacité, donne la force à Rakisiara, à mon frère et à ma soeur, de s'attendre à toi. La Bible dit, à mon Kosia, que tu fais preuve de bonté pour ceux qui s'attendent à toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ta foi est ranimée, que ta foi se rallume dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que Paul a parlé à Timothée en disant, ranime la foi qui est en toi, le feu de la foi qui est en toi. Je prie que ta foi soit ranimée au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère de feu. Merci pour cette atmosphère de prière dans le nom de Jésus. Merci pour la crainte de ton nom. Merci pour la crainte de ton nom et le désir de vivre dans la sainteté. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu haïs le péché. Au nom de Jésus, que tu aimes ce que Dieu aime et que tu haïs le péché. Tu vomis le péché à partir de maintenant. Tout ce à quoi tu étais addict, au nom puissant de Jésus, la puissance de Dieu qui vient sur toi te libère de cette addiction. Au nom de Jésus, Dieu incline ton cœur à la sainteté, à la pureté, à la romance avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Ayakara, Mekariko Siara, Marako Siara Mara, je déclare dans le nom de Jésus que tu ne tomberas plus jamais dans le même piège, dans le même péché, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu ne tomberas plus jamais dans cette masturbation, dans cette impureté, dans le nom puissant de Jésus. Tu ne tomberas plus jamais dans cette addiction, au nom de Jésus. La
saisit l'acte discernement divin, te saisit la force de Dieu, te saisit à l'instant même, dans le nom de Jésus, par nos prières et par la grâce de Dieu, je te vois sortir de la force du péché, de la force de la masturbation, de la force des addictions, dans le nom puissant de Jésus, tu es libéré, tu es délivré, tu es affranchi, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la persévérance devient au caribus ta nature. Au nom de Jésus, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance. Je vois la persévérance de Dieu venir sur toi au nom de Jésus. Alors que la lourdeur, le retard, la procrastination, ça cadre te quitte au nom de Jésus. Je vois la persévérance venir sur toi au nom de Jésus. Je vois la maturité venir sur toi au nom de Jésus. Je vois l'endurance venir sur toi au nom de Jésus. Je vois te voir rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je dis que cette année, c'est ton année. Je dis que ce mois, c'est en moi, au nom puissant de Jésus, alors que tu te connectes à cette atmosphère de feu, à cette atmosphère de puissance, au nom puissant de Jésus, tu n'es plus le même, tu n'es plus le même, cette présence te saisit, cette présence te soulève, cette présence te fait sortir de la fosse, au nom puissant de Jésus, il y a une transformation spirituelle dans le nom de Jésus, pour ton mari Aurélie, dans le nom de Jésus, une transformation spirituelle dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ton conjoint, parce que tu te connectes, je vois la main qui retenait ton conjoint dans les ténèbres, je vois cette main brisée, je vois cette main ôtée, au nom puissant de Jésus, alors que Dieu est dans sa main, il est dans sa main, maman, 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 Shayarama no siarama andosia. Ido Shayarama andosia. Shamara kashite. La Bible dit que là où deux s'accordent, là où deux ou trois s'accordent, tout ce qu'ils demandent au nom du Seigneur Jésus, cela leur est accordé. Si un en chasse mille, deux en chasse 10 000, au nom puissant de Jésus, je déclare que là où tu ne pouvais pas sortir, Ayarus Demaha, par la réunion, Orakasutema, par l'union de toutes les personnes connectées, au nom puissant de Jésus, je te vois sortir de cette prison, je te vois sortir de cette maladie, au nom puissant de Jésus, je te vois zélé, au nom puissant de Jésus, je te vois augmenté, au nom puissant de Jésus, je vois même, à l'instant même, les dons du parler en langue, je te vois baptisé, je te vois baptisé, je te vois baptisé, je te vois baptisé, reçois le baptême de feu, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois la puissance du parler en langue maintenant au nom de Jésus à 3, 1, 2, 3, reçois le baptême, 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 oh chakatea raketea rimonoja aya rokataya rito samando siara mara mara osotaire mande que sia 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 le parler en langue que tu reçois maintenant te fait passer à un niveau supérieur de connexion, de communion, de percée, d'élevation, de consécration, de distinction. Au nom puissant de Jésus. Ah! Mare Ketaya, Riba, Mosite Aramaha, Mare Ketaya, Rita Yebosote, Mandazia, 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 Mandazia. À partir de maintenant, Orama, le zèle de la maison du Seigneur revient sur toi, Alix. Alix, le zèle de la maison du Seigneur descend sur toi. Toutes les personnes qui sentaient une
fatigue, qui sentait une lourdeur chaque fois que cela concernait la maison de Dieu, le service de Dieu, ta communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. À partir de maintenant, le zèle de la maison du Seigneur descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi, descend sur toi. Au nom puissant de Jésus, Dieu te donne un nouveau cœur. Dieu te donne un cœur passionné. Dieu te donne un cœur embrasé. Dieu te donne un cœur infatigable. Au nom puissant de Jésus, ton cœur est en feu. Au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Une nouvelle présence vient sur toi. La présence de son esprit. Elle descend sur toi maintenant. Tu as un cœur embrasé. Tu as un cœur assoiffé. Ton amour pour Dieu augmente. Ta communion pour Dieu augmente. Ta passion pour Dieu augmente. Aïe, 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 aïe. Cette présence te saisit. Cette puissance descend sur toi. Tu as un cœur agréable à Dieu. Tu n'auras plus honte de toi. Aïe, 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 aïe. Il y a une présence qui te saisit. Il y a une puissance qui descend sur toi. La vie de Dieu atterrit sur toi. Sa puissance te couvre. Son onction descend sur toi. Sa main est sur toi. Son regard s'arrête sur toi. Sa puissance agit sur toi. Tu seras un témoignage. Il te fait sortir de la honte. Il te fait sortir de la confusion. Il te fait sortir de la distraction. Il te consacre. Aïe, 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 aïe. Il donne la force à ton âme. Il chasse les pensées impures. Il te donne la force du buffle. Il te donne le regard de l'aigle. Aïe, 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 aïe. Il y a une atmosphère de guérison qui s'apprête à descendre sur toi. Une atmosphère de libération qui s'apprête à atterrir sur toi.
une atmosphère de délivrance qui est sur toi maintenant. Aïe 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 aïe. La Bible dit dans le livre de Jacques 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. » Alors que je perçois que Dieu veut commencer à agir, que Dieu veut commencer à guérir les cœurs, restaurer les cœurs, guérir les corps, soulever les corps qui étaient malades, qui étaient... Restauration de l'âme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, relève mon fils.
nom de Jésus. Ne laisse pas cette situation, Seigneur, conduire mon frère et ma soeur. Jamais, mais que mon frère et ma soeur soient conduits par la foi, selon qu'il est écrit, marcher par la foi et non par la vue. Au nom puissant de Jésus, oh Père, nous prions pour la libération des forteresses émotionnelles. Au nom puissant de Jésus, tu as dit dans ta parole, en toutes choses, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Peu importe ce que mon frère, ma soeur a subi, a souffert, je prie pour la restauration des cœurs. Je prie pour la restauration des cœurs. Je prie pour que le sang de Jésus lave mon frère, lave ma soeur de toutes les blessures émotionnelles. Au nom puissant de Jésus, j'arrache, nous arrachons ces blessures émotionnelles qui empêchent mon frère, ma soeur, d'espérer, d'avoir la foi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour la délivrance de toutes les pensées impures. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous devons nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Ô Carimantia, et le Dieu de paix qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en Christ Jésus. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, Aya Moustamara, tout ce qui est loyal, soit l'objet de nos pensées. Je prie, Seigneur, Barikashia, selon Philippiens 4, Ayuru verset 8, Seigneur, que tout ce qui est vertueux, tout ce qui est vrai, soit l'objet des pensées de mon frère, des pensées de ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, délivrance des pensées négatives dans la vie de Bad, des blocages familiales dans la vie de Dorina, réconciliation de sa famille dans la vie de Honora, au nom de Jésus, au nom de Jésus, réconciliation, réconciliation, réconciliation. Seigneur, tu es venu pour que nous soyons un. Tu n'es pas venu pour que nous soyons divisés. Non, Seigneur, nous prions pour l'unité dans la famille. Au nom puissant de Jésus. Ah là, Mère Akashute, Seigneur, que tout plafond, toute limitation, Seigneur, soit banni. Tu as dit dans ta parole que le faible dise que je suis fort. Aïe, Aroussa, il n'y a plus de limitation parce qu'il n'y a plus de condamnation. Dans le nom de Jésus, tu as dit que si nous croyons, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, donne la foi de l'impossible à toutes les personnes qui se voyaient limitées. Au nom puissant de Jésus, Père, que tout déblocage saute au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Père, pour toutes les personnes qui se voient bloquées, qui se voient stoppées, qui se voient freinées. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole qu'avec toi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je prie, Père, pour que mon frère, ma soeur, croit qu'avec Dieu, tout est possible. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta grâce soulève, que ta grâce soulève, que ta grâce soulève, soutienne mon frère et ma soeur. Tout est possible avec Dieu, tout est possible dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tout esprit de dépression, de folie, d'AVC, de perte de vue. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je révoque tout esprit d'handicap. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est ce qui est écrit. Père de grâce, nous prions pour la liberté en Christ. Nous prions pour la délivrance en Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucun incident, aucun accident ne pourra te bloquer, ne pourra te stopper, ne pourra te freiner. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, qui agit par toi, je te vois aller de l'avant. Nous te voyons aller de l'avant dans le nom de Jésus. Nous te voyons réussir dans le nom de Jésus. La force qui te manquait t'est donnée, communiquée par Dieu. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, et vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare que tu deviens un témoin dans le nom de Jésus. Tu deviens un témoin dans le nom de Jésus. Tu te lèves et tu deviens un témoin. Reçois la force, reçois la puissance par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui était trop fort pour toi te lâche au nom puissant de Jésus. Tous les esprits d'infirmité, toutes les addictions te lâchent parce que tu t'accroches à Dieu, parce que tu t'accroches à Dieu, parce que tu t'attends à Dieu. Au nom puissant de Jésus, toute relation déstabilisante, toute relation mauvaise te lâche. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour Kérène et pour toutes les personnes qui se retrouvent dans la même situation d'instabilité relationnelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les mauvaises compagnies autour de toi te lâchent, te lâchent, te lâchent, te lâchent, te lâchent, te lâchent. Au nom puissant de Jésus, Charekesia, Marekasia, Mandekesia, Rokasia, Dieu fait le ménage autour de toi. 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 Au nom de Jésus, Marekesu, la Bible dit, Dieu s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je déclare, Marika, que tu expérimentes la prospérité émotionnelle, la prospérité spirituelle, avant de la voir manifeste dans le naturel, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu te donne et te communique une mentalité de prospérité dans le nom de Jésus. Ta mentalité change, pas ta mentalité change. Le sang de Jésus sur ta mentalité, sur ton intellect, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus te change, te restaure dans le nom de Jésus, te renouvelle au nom puissant de Jésus. Ayara Kessia, Mareketia Remaha. Je déclare que tu réfléchis comme un riche pour Dieu. Je déclare que tu penses comme un riche pour Dieu. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de réclamation te ne te trouve pas dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune forme de réclamation ne viendra sur toi. Aïe, 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 aïe. Parce que ta vie est cachée en Christ. Je réprime toute forme de réclamation qui agissait sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu rentres dans une vie de témoignage, dans une vie de distinction. Au nom puissant de Jésus, parce que tu te répands, parce que tu appartiens à Dieu. Totalement, entièrement, complètement, je déclare que tu es totalement libéré, totalement guéri au nom puissant de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Jacques 5, verset 16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, confessez vos péchés et priez les uns pour les autres. Confessez les péchés et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Alors que tu es en train de confesser tes péchés, alors que tu es en train de demander pardon pour tout ce par quoi tu es passé, par toutes les alliances illicites que tu as contractées, alors que tu es en train de demander pardon, Dieu te pardonne. Alors que tu es en train de demander pardon, la main de Dieu vient sur toi. Alors que tu es en train de demander pardon, et pendant que nous sommes en train de prier pour ton pardon, pour que Dieu te pardonne, pour que Dieu nous pardonne, la main de Dieu vient sur toi et la guérison arrive en même temps. Au nom puissant de Jésus, la guérison arrive en même temps. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, si tu te retrouves dans le désert, si tu te retrouves dans la solitude, peu importe si tu te retrouves seul parce que ton mari t'a abandonné, parce que ton mari est parti, ton mari t'a laissé avec les enfants, parce que ta femme t'a abandonné pour quelqu'un d'autre, parce que tu es en train de vivre des déceptions, tu es en train de vivre des trahisons, tu es en train de vivre des blessures, peu importe ce par quoi tu es en train de passer actuellement, sache que tu n'es pas seul, parce que peut-être que tu as perdu
un être cher, peut-être un être cher vient de partir et tu sens un vide à l'intérieur de toi, tant au niveau de l'âme qu'au niveau même physique. Je déclare que tu ne resteras pas dans la prison de la déprime, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, Jonas, dans Jonas 2, du verset 1 au verset 2, la Bible dit, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel et Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce par quoi tu passes, si Jonas, dans la poche, dans le ventre du poisson, dans la mer, a pu crier à Dieu, et Dieu l'a entendu, et Dieu l'a exaucé, peu importe ce que tu passes, peu importe ce par quoi tu es en train de passer, la Bible dit que si Jonas, dans sa détresse, a crié à Dieu, et Dieu l'a exaucé, tu n'es pas seul. Nous crions avec toi. Tu n'es pas seul. Nous prions avec toi. Tu n'es pas seul. Nous supplions avec toi. Dieu entendra pas seulement ta voix, mais Dieu entendra nos voix. Et Dieu te sort de la situation dans laquelle tu te trouves. Dans le nom puissant de Jésus, il te sort dans la situation dans laquelle tu te trouves. Ne regarde pas ta propre situation. Non, regarde à la situation de ton frère. N'oublie pas. Quand tu pries pour les autres, quand tu supplies pour les autres supplient pour toi. La Bible dit, dans Job 30, 42, verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job a eu prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé dans le nom de Jésus. Alors que tu te joins à nous pour prier pour nos frères et nos sœurs qui passent par les mêmes moments que toi, les mêmes moments difficiles que toi, le Seigneur te restaure, le Seigneur te restaure, le Seigneur te remet le double de ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus, tu reçois le double pendant que tu te joins à nous dans la prière. Sortir nos frères, sortir nos sœurs de la détresse dans laquelle ils se trouvent. Le Seigneur te visite, le Seigneur te visite. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi et elle te fait sortir, elle te fait sortir, elle te fait sortir dans le nom de Jésus. Récupère le double de ce que tu avais perdu. Au nom puissant de Jésus, tu avais perdu la guérison. Retrouve la guérison. Nathan, retrouve ta guérison dans le nom de Jésus. Retrouve ta santé, Sarah. Retrouve ta santé. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur étend sa main sur l'enfant autiste, sur Pena. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Pena récupère sa faculté d'entendre, sa faculté de comprendre. La main puissante de Dieu, la main puissante de Dieu délivre Pena de l'autisme. Au nom puissant de Jésus, la main puissante de Dieu prend Pena et le sort de la prison de l'autisme. Au nom puissant de Jésus, restauration de son corps, de son âme, de son esprit. Au nom puissant de Jésus, je vois la guérison, la guérison, la guérison, la guérison de la mère de Wilfried. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les personnes atteintes de colon, maintenant, vous retrouvez votre guérison. Mettez votre main là où vous avez mal, là où il y avait le cancer. La main de Dieu est sur vous. 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 Recevez la guérison. 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 Quel que soit le cancer part. Le cancer part. Le cancer part. Alors que Dieu met sa main là où vous avez mal. Oh non! Puissant de Jésus, Mare Kessia, Rakasutema, Yekaraba Anosia, Uros. La Bible dit, avant que tu t'eusses, je t'eusse mis dans le ventre de ta mère, je te connaissais. La Bible dit qu'avant même qu'il y ait grossesse, Dieu connaissait ton enfant. Je déclare que les fausses couches à partir de maintenant s'arrêtent. Tu es enceinte, tu vas l'être. Je déclare et nous déclarons ensemble que cette grossesse se passera miraculeusement bien. Au nom puissant de Jésus, toute forme de grossesse bizarre,
occulte, malmenée par les démons, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant. Dès cette nuit, dès maintenant, la grossesse reprend son cours normal. Au nom de Jésus, l'enfant reprend son développement normal. Au nom puissant de Jésus. Jamara et Ayari soutema adosia. Oh God, mets ta main. Là où tu avais, là où ton frère a mal, mets ta main là au niveau de tes yeux, mets ta main au niveau de tes oreilles. Au nom de Jésus, je déclare que tu recouvres la vue. Nous déclarons que vous recouvrez la vue, vous recouvrez la vue, vous recouvrez la vue, vous recouvrez la vue. Au nom de Jésus, toute maladie qui volait ta vue, au nom de Jésus, elle s'arrête. Au nom de Jésus, elle s'arrête. Au nom de Jésus, Mayara, toute forme de sourdité s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant, s'arrête maintenant. Toute forme de mutisme s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Seigneur, les handicapés se lèvent et marchent. Au nom de Jésus, et marche au nom de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Je parle maintenant, nous parlons maintenant à toutes les masses informes présentes dans le corps. Toute masse, toute boule présente dans le corps, maintenant vous disparaissez, vous disparaissez, vous disparaissez, vous disparaissez. Fibrome, kyste, disparaissez. Phobaco, masse informe, bizarre, chronique, disparaissez, 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 disparaissez. Au nom de Jésus, disparaissez, disparaissez. Au nom puissant de Jésus. Ayarama Anosia, je vois une famille oppressée. Une famille oppressée reçoit sa libération, reçoit sa délivrance. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Le salut arrive dans ta famille. Le salut atterrit dans ta famille. Le salut atterrit dans ta famille. Oh, Shaya. Maya Meri, soutiens-moi. Jama, 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 jama. Jama, 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 jama. Oh, des familles libérées. Des familles entières libérées. Des enfants libérés. Des enfants rebelles qui reviennent à la maison. Un mari rebelle qui revient à la maison. Une femme rebelle qui revient à la maison. Restauration. Restauration. Au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau des enfants, la main de grâce du Seigneur atterrit au nom puissant de Jésus. Accueille cette libération, accueille cette délivrance, accueille cette délivrance, accueille cette libération. Ta famille libérée, tu pourras proclamer comme Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner. Au nom puissant de Jésus. Aïe, Aremosiama. Je m'adresse à tous les démons qui ont pris en otage les utérus. Aïe, Aramama. Mieux matin. Tout utérus, mieux matin. Au nom puissant de Jésus. Toute diminution du sang. Au nom puissant de Jésus. Aïe, que ça va. Je parle à Marie. Et je parle à toutes les personnes qui partent, qui traversent le même défi. Au nom puissant de Jésus, la main du Seigneur, le médecin des médecins, opère maintenant, opère ton utérus maintenant, opère ton utérus maintenant, opère ton utérus maintenant. Reçois la libération au niveau de ton utérus, mieux maintenant. Au nom puissant de Jésus, de la même manière que Daïou verra sa famille libérée. De la même manière, Marie verra son utérus totalement rétabli. Toutes les personnes qui passent par ce type de défi, toute maladie liée à votre utérus, prends fin maintenant, prends fin maintenant, prends fin maintenant, prends fin maintenant. Oh non, puissant de Jésus. Oh Yares, oh Yares, Chata Yares. La Bible dit, dans Luc 11, verset 9, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Aïe, 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 l'aïe kosiara. Jean 16, verset 24, la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous
vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Aïe, 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 aïe. Dieu veut que sa joie soit parfaite. Dieu veut restaurer ta joie. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dieu veut restaurer ta joie. Kérène, tes frères et tes sœurs. Dieu restaure votre joie. Réunion de famille. Réunion de famille. Réunion de famille. Au nom puissant de Jésus. Réunion de famille. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous parlons maintenant à l'ABC. ABC. Tout esprit d'ABC. Dans le nom de Jésus. De Marie au Diana païenne. Un ancien. Toutes les personnes qui passent par des ABC. Au nom puissant de Jésus. Maracité. Reçois la restauration de ton côté gauche. Au nom puissant de Jésus, du sommet de la tête à la plante des pieds. Reçois la restauration de tout ton côté gauche. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de rhumatisme, maintenant, au nom de Jésus, dégagez, 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 dégagez. Tout esprit, Marie Kosiana, de Crohn, Ayalavasia, de Piri, Marie Kosia, dégagez, 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 dégagez. Au nom puissant de Jésus, Chale Kessia, Marakasi, Merakasi, Marakasi, Ayara, la maladie de Crohn, dans le nom de Jésus, Francis, tu en es libéré. Au nom de Jésus, rien ne peut bloquer la main de Dieu qui vient sur toi. Et vient sur toi, et vient sur toi, et vient sur toi, et vient sur toi. Toutes les personnes qui passent, Sokarus Damaranisia, Okaris, Mayurikusiama, qui vivent des maladies bizarres, des maladies bizarres. La Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchira. Je déclare que tout nom, quelle que soit la maladie, fléchit genou devant Jésus qui libère, devant Jésus qui délivre. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Toute maladie est détruite maintenant. Toute maladie détruite maintenant. Toute maladie détruite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour l'anémie, Radokas, qui attaque cet enfant. Au nom de Jésus. Aïe, Kassia, Rakishia, Monasia, Kassete. Aïe, Kessa, Montaïa, Babara. Oh, Sia, esprit d'avenir, je déclare que le sang de Jésus est qu'à rentrer dans la vie de cet enfant, rentre dans la vie de ce jeune, rentre dans la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus, je déclare que l'esprit d'Adélie lâche, 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 lâche. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus est perfusé dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, dans la vie de Sylvie, le sang de Jésus, le sang de Jésus réduit à néant l'esprit d'Adélie. Au nom puissant de Jésus. Mayaraba, Seigneur, nous élevons la voix pour les enfants d'Axel, diagnostiqués avec le trouble du comportement, l'hyperactivité, déficit de l'attention et de la colère. Oh Chaye, Rakashutema, l'esprit de Dieu, l'esprit de tempérance, l'esprit de maîtrise de soi, descend sur les enfants d'Axel et sur tous les enfants qui passent à Yarostaba Adasiaka par des troubles, chic du comportement et de l'hyperactivité. Au nom de Jésus le Christ, la tempérance, la maîtrise du Saint-Esprit descend dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Ayarakasa. Ok, Reba. Je déclare que Nathan reçoit la santé, reçoit la santé mentale, reçoit la santé physique. Toutes les personnes en déséquilibre au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, dans le nom de Jésus, la main de Dieu est sur vous, 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 de la même manière que Jésus a libéré le démon de Gadara, dans le nom puissant de Jésus. Jésus libère, Jésus délivre, Jésus affranchit tout démon, toute légion qui maintenait mon frère, maintenait nos soeurs, c'est Carus de Mahandosia, sous la coupe des démons, dans le nom de Jésus. Vous libérez maintenant, 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 au nom puissant.
puissant de Jésus. Chétaïe, Mayarama, Chatekater, Maracasser, 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 Etaïarama, Andosia, Itaïanusima, Andosia, Ayekereba, Soutema, Etaïa, Etaïa, Mareketaïa, Roussama, n'oublie pas, n'oublie pas, élève la voix, ne prie pas pour toi, mais prie pour ton frère, prie pour ta sœur, joins-toi à nos voix, joins-toi à notre voix, et Karousteba Andasia, prions les uns pour les autres, et tu verras la puissance de Dieu te soulever, te faire sortir du problème dans lequel tu te trouvais, au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 la Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera arrosé. Je te vois rassasié, je te vois arrosé, au nom puissant de Jésus. Alors que tu élèves la voix et que tu prends le temps et que tu investis le temps pour prier pour la libération de tes frères et la libération de tes sœurs, au nom de Jésus, je vois que Dieu te donne sagesse, intelligence et connaissance dans les études, au nom puissant de Jésus. Reçois l'intelligence, reçois l'intelligence. La Bible dit dans Job 32 verset 8, je reconnais que dans l'homme c'est l'esprit, donc à nous du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Reçois l'intelligence, reçois l'intelligence. Tarzi, pour tes études. Emmanuel, reçois l'intelligence. Sharon, reçois l'intelligence, reçois l'intelligence. Tu trouves la bonne formation, tu trouves la bonne formation, la bonne école, dans le nom de Jésus. Luz, reçois, reçois l'intelligence dont tu as besoin pour réussir tes études, dans le nom de Jésus. Aïe, Kadaba, Ayadi, reçois la libération. Tu es admis, tu es admis, tu es admis, tu es admise en thèse, au nom de Jésus. La porte de la thèse t'est ouverte, au nom de Jésus. Et Kadaba, je déclare que Dieu pourvoit tous tes besoins, à tous tes frais académiques, selon qu'il est écrit. Je pourvois tous tes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus, dans le nom de Jésus. Marieka, je déclare que l'échec, tu as échoué une fois, tu as échoué deux fois, tu as échoué trois fois, tu as échoué quatre fois, tu as échoué cinq fois, c'est la dernière fois que tu as échoué. Désormais, 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 tu réussis. Cette année, tu réussis. Cette année, tu réussis. Cette année, tu réussis. Le redoublement ne fera plus partie de toi. Oh non, puissant de Jésus, Marie Koshia, je déclare que tous tes combats deviennent le combat de Dieu ton Père. Oh non, puissant de Jésus, il te donne l'intelligence et les moyens de réussir tes études. Et tu réussis, que ce soit en droit, que ce soit en finance, que ce soit en lettres, tu réussis, que ce soit en informatique, tu réussis. Je déclare que tu réussis dans le nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Shaya, 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 Shaya. Dieu étend sa main sur ses projets, parce que tu t'es joint à nous pour accomplir les projets des autres. Je déclare que Dieu, Zacharis Toumara, s'occupe de tes projets, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors que nous sommes en train de prier ensemble pour que Dieu étende sa main sur les projets, peu importe les projets des autres, Dieu étend sa main sur tes projets, dans le nom puissant de Jésus. Et Karama, Ghislaine, Dieu ne t'a pas oublié. Aïe, Christia, Dieu ne t'a pas oublié. Coran, Dieu ne t'a pas oublié. Marcus, Dieu ne t'a pas oublié. Aïe, Rosimani, Maria Riki, Soutima, Andesia. Oh, Kara, je prie pour le salut. Je prie pour le salut. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons le nom du Seigneur en faveur de nos foyers, de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur. Seigneur, Père, touche, touche, touche notre entourage.
touche nos foyers, touche nos familles, touche nos frères, touche nos sœurs, touche nos parents, dans le nom puissant de Jésus. Je pense à Samuel Brice, au nom puissant de Jésus. Je pense à Graciable, à Lawson, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je pense à un mari, je pense à un conjoint. Que le salut rentre dans la maison de mon frère, rentre dans la maison de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour la famille de Sarah. In the name of Jesus, Marie Kusia Rama, Mani Kusia Rokosia, Ayara, Seigneur, Seigneur, la Bible dit qu'on ne se moque pas de toi. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Seigneur, 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 étends ta main, étends ta main, étends ta main, et donne, donne, donne le fruit, Seigneur, d'un travail, d'un frère et d'une sœur, dans le nom puissant de Jésus. Aïe, kasutema anesia. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Sois, anushima anesia, le conducteur du foyer de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Sois le conducteur du couple de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute entité qui a été invitée par un conjoint, Seigneur, dans un couple, je prie cette entité, je prie cette entité, au nom puissant de Jésus, parce que nous nous mettons en accord et que nous prions, Seigneur, Père, descends avec puissance dans le foyer de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans le mariage de Luizy, dans le mariage de Goran, dans le mariage de Loya, dans le mariage de Catherine, dans le nom puissant de Jésus. Oh, étends ta main, oh, étends ta main, oh, étends ta main, oh, étends ta main. Seigneur Père, tu dis dans ta parole que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Seigneur, je mets ma main sur toutes les personnes qui ont demandé de l'aide au niveau de leur travail, au niveau de leur emploi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les percées professionnelles, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour Esther et toutes les personnes qui passent par les mêmes défis. Dans le nom de Jésus, je prie pour, Seigneur, la recherche à Yarostia de Alix Maro par rapport à son doctorat en géologie. Dans le nom de Jésus, je prie pour Benicia, Seigneur, pour l'obtention, Seigneur Karustama, de tout ce dont elle a besoin, de au niveau administratif. Au nom puissant de Jésus, je prie pour le travail Ayala le sien d'Ariel. Au nom de Jésus, je prie pour l'orientation professionnelle de Adena. Au nom puissant de Jésus, je prie pour Désiré et sa recherche d'emploi. Au nom puissant de Jésus, toutes les personnes qui passent par les mêmes défis d'Orina, je prie pour son déblocage professionnel. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais grâce. Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Seigneur, je prie pour Marcel. Je prie pour Désiré dans le nom de Jésus. Je prie pour la stabilité professionnelle d'un couple. Au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, je prie pour les finances. Je prie pour les finances. Seigneur, tu es notre financier. Tu as dit que nous ne manquerons de rien selon ta richesse et avec gloire. Au nom puissant de Jésus. Ayara, Mikara, Rekata, je prie pour Bete Family, je prie pour Lola. Aïe à la croissance financière, Seigneur, donne-lui la capacité de donner et de semer au nom puissant de Jésus. Merci pour Pintou, merci pour Marius, merci pour Catherine, merci pour Keren, merci parce que tu résolves les dettes au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance, nous comptons sur ta grâce. Merci Seigneur, tu as dit, Père, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, tu l'as donnée aux hommes. Tu as dit que tout lieu foule la plante de nos pieds, ce lieu, tu nous le donnes en possession. Je prie pour le miracle de la régularisation au niveau des documents. Seigneur, régularise, régularise, Seigneur, régularise, Seigneur, régularise. Seigneur, merci pour Kalia. Merci, merci pour Néné. Merci, merci pour Néhen. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie parce que toi, tu ouvres les portes. Seigneur, tu ouvres les portes. La terre nous appartient. La terre nous appartient. Seigneur, tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Tu as parlé à Élie et tu as dit à Élie d'aller chez la veuve de Sarepta. Il a dû quitter le torrent de Kérit. Seigneur, si mon frère, ma soeur, que ce soit Stéphane, Christy, Seigneur, doit quitter l'endroit où elle est pour poursuivre ses études, étends ta main.
Étends ta main sur tous ces sujets de prière. Dans le livre de Jérémie 29, verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le psaume 91, verset 15, la Bible dit : il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La Bible dit : ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Oh Saraba, Philippiens 4, verset 6. Et le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Où que nous soyons, Seigneur, nous t'acclamons. Où que nous soyons, Seigneur, nous te disons merci. Où que nous soyons, Seigneur, nous te disons merci. Où que nous soyons, Seigneur, nous te disons merci. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Seigneur, merci. Merci pour l'exaucement. Merci pour le miraculeux. Merci pour les témoignages. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton bras étendu. Et merci pour le bras de l'ennemi brisé, réduit à néant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Action de grâce. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 14 et verset 15, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu a fait. Dieu a agi. N'oubliez pas, les témoignages, faites-nous remonter vos témoignages. Faites-nous remonter vos témoignages. Nous avons prié pour vous, avec vous. Je prie pour vous, avec vous. Nous prions pour vous, avec vous. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci d'avoir pris le temps de prier pour vos frères et pour vos sœurs. Dieu a mobilisé les anges et les hommes pour prier également pour vous. Et je suis convaincu que vous avez reçu votre exaucement. N'oubliez pas, remontez les témoignages et à la semaine prochaine pour Je prie pour vous, avec vous. Demeurez bénis.
Action de grâce. Action de grâce.